Vous êtes sûr que vous ne courez aucun danger? J'en suis sûr. Mais sa langue... Le venin qui sort de sa langue met 24 heures pour se reconstituer. J'ai raison. Je sais ce que je fais. Ça ira. Je suis le docteur. Je suis venu pour parler. Je vais vous enlever votre masque. Vous êtes magnifique. Les vestiges d'un âge oublié de la planète Terre. Au fait, très ingénieux vos moyens de transport. Utilisez la géothermie pour vous propulser le long des galeries souterraines. Génial, je peux m'asseoir. Alors, votre peuple détient en otage une de mes amies. Je veux la récupérer. Pourquoi être venu à la surface? Que voulez-vous? Ah, je déteste les monologues. Participez un peu. Combien êtes-vous? Je suis la dernière de mon espèce. Vraiment? Non. Typiquement Clem Paris comme ligne de défense. Je voudrais pas critiquer, mais c'est un peu vieillot comme stratégie. J'en ai bien peur. Je suis la dernière de mon espèce. Non, je ne vous crois pas, parce que... Moi, je suis le dernier de mon espèce et je sais ce que l'on ressent dans ces cas-là. Alors ne m'insultez pas. On va reprendre. Vous vous appelez comment? Alaya. Depuis combien de temps votre tribu vit sous terre, Alaya? Laissez-moi deviner. Vous êtes à 300 millions d'années de votre ère. Question, qu'est-ce qui vous a réveillé? Nous avons été attaqués. La foreuse. Nos capteurs ont détecté une menace pour nos systèmes de survie. Nos guerriers ont été réactivés pour faire face à l'ennemi. Nous allons exterminer la vermine de la surface de la Terre et reconquérir notre planète. Ne les qualifiez pas de vermine, ils ne sont pas si méchants que ça. Ce sont des macaques primitifs. C'est une espèce extraordinaire. Si vous attaquez, ils répliqueront. Mais il est possible d'éviter la guerre. Et je peux vous aider à calmer le jeu. La Terre est à nous. Nous étions là bien avant les primates. Ça ne vous donne pas le droit de vous en emparer aujourd'hui. Les humains n'abandonneront jamais leur planète. Nous les anéantirons. Ce serait les sous-estimer. Ce serait nous sous-estimer. Une tribu d'homo reptilia contre 6 milliards d'humains, c'est loin d'être gagné. Ce n'est pas nous qui avons ouvert les hostilités. Nous gagnerons cette guerre. Dites-moi où mon ami se trouve. Libérez les otages que vous avez enlevés. Non. Je vous empêcherai de déclencher une guerre, Alaya. Le combat n'est pas pour aujourd'hui. La guerre est déjà déclarée. Un massacre nous est dû. Pas tant que je serai là. Je serai fière de mourir pour ma cause. Que sacrifieriez-vous pour la vôtre ?